Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, on est donc dans l'épisode consacré à les indispensables qu'il faut absolument prévoir pour sa location en courte durée. Donc ça tombe très bien, puisque là, je viens de terminer l'aménagement d'un appartement qui est destiné à faire la location en courte durée. Dans cet épisode, eh bien, on va voir justement tous les indispensables absolument qu'il faut prévoir pour faire en sorte que la location courte durée soit eh bien, un succès et qu'elle puisse correspondre aux attentes de tes voyageurs. Comme tu le sais, juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors, dans cet épisode, eh bien, on va faire le tour et je vais te présenter un petit peu tout ce que j'ai pu mettre en place pour ma location courte durée. Donc, on va commencer tout de suite par la cuisine. Donc, la cuisine, ce qui est important aujourd'hui pour tes voyageurs, eh bien, c'est qu'ils aient de quoi cuisiner. Donc, la base, le minimum, à mon sens, c'est vraiment donc, tout ce qui est huile, tout simplement, tout ce qui est poivre et tout ce qui est sel. Tout ça est un indispensable. Parce que quand les personnes vont arriver dans ton logement, elles vont vouloir cuisiner et donc elles auront besoin de tout ça. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est lié pour se laver les mains, bien évidemment, tout ce qui est lié aussi pour nettoyer les ustensiles de cuisine, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment à prévoir. Puis la petite éponge, mais ça, je ne t'apprends rien. Bien entendu, prévoir aussi les petits chiffons de cuisine, hein, c'est évident. Et encore là, on n'a mis qu'un, mais on mettra certainement un deuxième, puisqu'on en mettra un pour les mains et un pour tout ce qui est quand on essuie, donc la vaisselle. On continue toujours dans la cuisine. Donc là, on va s'attarder peut-être un petit peu plus longtemps. Donc on a prévu tout ce qui est verre à vin, bien évidemment. Ici, normalement, alors ce qu'on a prévu, mais c'est pas forcément indispensable, c'est une petite carafe à eau hein, avec un filtre. Voilà. Donc ça c'est pas forcément indispensable, mais ça peut être bien pratique pour les voyageurs. Ensuite, donc on a machine à café. Donc là très clairement, si tu veux t'approcher un petit peu. Donc là la machine à café, eh bien aujourd'hui il faut vraiment partir sur des machines à café à dosette. Donc on est passé sur une Dolce Gusto, mais bien évidemment vous pouvez aussi partir sur des Senseo ou autre type de machine. Donc pourquoi? Tout simplement parce que c'est des dosettes qui sont privatives, hein. On ne partage pas le café avec d'autres, surtout par les périodes de Covid, etc., tout ce qu'on a connu. Pour ça, ils ont leur petite dosette, on prévoit 3-4 d'avance. Tu prévois quand même un petit peu de café en dosette comme ça, pour les personnes qui n'aimeraient pas ce principe-là, ou dans le cas où la machine à café, par exemple, ne fonctionnerait pas, ce qui peut arriver. Tu prévois du thé, bien évidemment, et on a prévu aussi du sucre qui doit être normalement ici, si je me trompe pas. Voilà. Donc tout ça, c'est les indispensables. Aujourd'hui, tu as vraiment besoin de ça. Après, tu as tous les équipements. Donc, tout ce qui est toaster pour le pain grillé, pour la bouilloire, bien évidemment. Là, on a pris un four. Enfin, on a pris un micro-ondes four, bien qu'on avait déjà un four de prévu. Mais je te recommande parce qu'aujourd'hui, ça ne coûte pas excessivement cher. Et gros avantage, c'est que quand tu fais four, tu as tout un produit 2 en 1. Ensuite, par rapport aux accessoires, ici, donc là, bien entendu, tout prévoir, absolument tout. Hein, donc, les différents couteaux, les économes, ouverture donc, des bouteilles à vin, tout ce qui est aussi, tout ce qui est canette, etc., bien évidemment. Après, on a tout ce qui est pour cuisiner. Hein. Voilà, là, je t'apprends rien. Il ne faut pas hésiter à forcer. Hein. Même là, nous, je pense qu'on forcera. On rajoutera une petite casserole plus petite. On va forcer parce que faut vraiment mettre le paquet aujourd'hui. On a plus le choix. Il faut vraiment... voilà. Et là, ici, c'est pareil, ne pas lésiner. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as... Si, par exemple, tu accueilles 6 voyageurs, pas hésiter, par exemple, à mettre 8 assiettes, 8 verres, etc. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y aura des verres qui seront cassés, ou peut-être que tout simplement il y aura des personnes supplémentaires qui vont venir, même si on n'est pas là pour faire des fêtes, bien évidemment. Mais je trouve ça dommage de prévoir pile poil le nombre, surtout que parfois il y a des imprévus et il suffit qu'il y ait un verre qui est cassé, ou deux, ça veut dire qu'il va manquer tout simplement du matériel. On va passer ensuite donc dans les chambres. Donc là il ne va pas y avoir, on va quand même s'attarder à des petites choses sympas. Donc, toujours prévoir une penderie. Hein, c'est indispensable. Donc, toi, ici, on a mis une toute petite penderie parce qu'on n'avait pas trop de place ici pour faire autrement. Penderie, donc pour mettre tout simplement. Donc, là, on va les mettre d'ailleurs. Tiens, hop, ça sera fait.
Voilà. Donc là, du coup, tu peux mettre tes chemises, tes vestes, etc. Tu peux mettre tes chaussures, tu peux mettre aussi des chemises, enfin, tout ce que tu souhaites, tout simplement ici. Très important, et j'en ai parlé plein de fois, c'est le matelas. Okay, le matelas, vraiment prévoir un matelas confortable, à mémoire de forme. Je te mettrai bien entendu tout ce que je te dis là, notamment les matelas, etc. Je te mettrai dans la partie description, tu verras dans la partie vidéo, dans la partie description de la vidéo, tu verras des liens justement pour accéder à tout ce que je t'explique ici. Ce qui permettra de t'y retrouver et éviter de chercher, notamment le matelas. Moi je sais que j'ai tout le temps des bons avis voyageurs grâce à ça, beaucoup de personnes qui me disent j'ai passé une bonne nuit. Et quand on sait que dans un logement, on passe quand même 50% du temps, voire même plus, hein, 70-80% quand on est dans le logement, uniquement pour dormir, puisque, encore une fois, les voyageurs vont travailler toute la journée, on a beaucoup de voyageurs, et la nuit, ils vont surtout profiter de la chambre, en fait. Surtout, c'est pour ça que la chambre, c'est super important, parce que c'est le lieu où on va passer le plus de temps. Donc, bien entendu, je ne te parle pas de l'atmosphère, rendre la chambre chaleureuse, comme là, tu peux voir, hein, si tu balayes un petit peu avec la caméra, voilà. On verra donc le côté chaleureux. Bien évidemment, mettre aussi tout ce qui est petit cadre, de photos, etc. Sachant qu'aujourd'hui, c'est pareil, je te mettrai des petits liens pour comment récupérer des designs plutôt sympas. Donc, tu auras les liens. Après, bien entendu, tout ce qui est cadre, ça, tu en trouves un peu partout. Moi, je les ai achetés chez But notamment. Ça m'a coûté, je crois, 5-6 euros le cadre, hein, ce qui est vraiment pas cher. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de rendre la chambre la plus accueillante possible. Toujours par rapport au lit, et je reviens là-dessus, bien prévoir toujours donc deux oreillers par personne plus le petit coussin. Hein, c'est vraiment les standards, d'ailleurs même Airbnb te recommande ces standards-là. Très important, puisque des personnes qui ont besoin, moi le premier, typiquement quand je me déplace et que je vois qu'un seul coussin, je ne vais pas passer une bonne nuit. C'est très clair, j'ai toujours besoin de deux oreillers. Et les petits coussins pour le petit côté déco, mais ça peut encore une fois servir aussi éventuellement à tes voyageurs. Là ici ce qui est bien, c'est que c'est des petits coussins qu'on peut retirer tout simplement et on peut nettoyer cette partie là. Donc pas de souci de ce côté là. Bien entendu prévoir les serviettes de toilette. Donc là on n'a mis que deux grandes serviettes de toilette, mais on aurait pu pousser un petit peu plus et mettre deux grandes et éventuellement deux petites pour les cheveux. Moi j'en ai pas, je ne suis pas concerné, mais pour surtout vous mesdames, c'est à mon sens super important. Ensuite, par rapport au chauffage, moi ici, j'ai mis en place des radiateurs connectés, donc ils sont connectés tout simplement, donc là ils sont éteints bien évidemment, mais ils sont connectés sinon en Wi-Fi. Okay, donc moi ce que je t'encourage à faire, c'est d'acheter, ça ne coûte pas excessivement cher, mais c'est d'acheter des radiateurs électriques qui soient si possible connectés, c'est-à-dire que tout simplement avec ton téléphone, avec une application, on est capable de piloter la température dans le logement. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec des factures qui vont juste être énormes, des dépassements de factures, et à chaque fois, c'est un gros problème pour le cash flow. Donc ça, à mon sens, c'est la limite. Si tu veux vraiment faire des économies, vraiment, penche-toi là-dessus, parce que c'est au moins 50 euros par mois minimum, voire même plus, que tu vas économiser rien qu'en changeant ce type, en mettant des radiateurs de dernière génération, déjà premièrement, notamment qui s'adaptent aussi aux ouvertures de fenêtres, c'est-à-dire que quand une fenêtre s'ouvre, automatiquement, lui, il se ralentit. Mais là, on va plus loin, puisque là, il est connecté avec une application. D'accord? Donc ça, renseigne-toi, t'en trouves dans les grandes surfaces, je te mettrai aussi des liens sur notamment Amazon, Cityscoop, etc., sur les produits que je recommande pour justement eh bien, avoir des produits connectés. Voilà, on a fait à peu près le tour. J'aime bien rajouter aussi des lampadaires. C'est important pour la décoration, mais aussi pour donner un côté chaleureux. Et puis, bien évidemment, je pense à la petite lampe de chevet. Et ce que je te conseille, c'est de plus en plus maintenant mettre des petites lampes de chevet qui ont des ports USB. Hein, tout simplement parce que aujourd'hui, on se connecte beaucoup avec l'USB pour recharger nos téléphones. Donc, à mon sens, c'est important de prévoir tout ça. Voilà, on va retourner dans la pièce principale. Voilà, donc dans l'autre chambre, je ne vais pas te faire parce que c'est à peu près la même chose. On va partir maintenant donc, dans le salon. Donc dans le salon, eh bien, rien de spécial, hein, si ce n'est bien prévoir une télé plutôt grand format. Tout simplement parce que plus ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher. Mais par contre, pour le perçu client, quand il arrive dans le logement, qu'il voit une télé grand format, c'est juste, ça crée un effet vraiment très intéressant. Bien entendu, prévoir la box avec les différentes chaînes, etc. etc. Alors la question qu'on pose souvent, c'est est-ce que tu mets Netflix, est-ce que tu mets Amazon Prime, est-ce que tu mets Disney Channel, etc. Oui, Netflix, oui, franchement, ça vaut vraiment le coup. Tu peux recadrer un petit peu la caméra. Voilà.
Voilà. Du coup, Netflix, effectivement, à mon sens, ça peut vraiment valoir le coup. Amazon Prime, éventuellement aussi, ça peut être intéressant. Voilà, on a terminé. Donc l'internet, oui, très important. Prévoir un accès donc à la en fibre, tout simplement parce que aujourd'hui et Airbnb aujourd'hui va de plus en plus demander ce que les logements soient équipés d'internet avec la fibre en haut débit. Tout simplement parce que ils ont signé un partenariat avec une start-up américaine où ils vont détecter la qualité de la connexion et ça sera clairement affiché sur l'annonce. Et donc du coup, tu doutes bien qu'aujourd'hui, vu que les déplacements sont beaucoup professionnels et en plus de ça, les voyageurs restent de plus en plus longtemps, ils veulent des logements qui aient une très bonne connexion Internet pour favoriser notamment le télétravail, tout ce qui est accès Zoom ou par exemple des gens qui se connectent en liaison sécurisée avec SSH, etc. Voilà, toujours prévoir une pendule, c'est bête à dire, mais c'est important d'avoir l'heure toujours disponible dans le logement. Bien prévoir une pendule, pour moi, ça me paraît important. Bien évidemment, tout ce qui est bien entendu réfrigérateur. Donc là, tu vois, c'est un réfrigérateur qui a dû me coûter, je crois, 300 euros, grande taille, avec le congélo, etc. Donc vraiment idéal. Pareil, prévoir aussi les stop-portes. Sachant qu'aujourd'hui on peut avoir des stop portes comme ça, on n'a pas besoin de les fixer dans le sol, donc ça c'est pratique parce que voilà, il suffit de les placer et tout simplement ça évite que ça vienne cogner dans les meubles. Alors, ça permet de protéger parce que dis-toi bien que dans ton appartement il y a beaucoup de passages, donc les murs vont certainement avec les bagages vont être abîmés forcément avec le temps. Donc prévoir aussi ça dans tes dépenses, toujours se dire que ce que tu gagnes, on met un petit peu de côté parce qu'il y aura très certainement à un moment donné un petit coup de peinture à remettre une fois par an ou une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, un petit coup de peinture sur forcément les lieux où ils vont passer avec leur bagage. Je pense par exemple aux portes, ils vont très certainement passer, ça va se prendre dans la porte et donc la porte va être au bout d'un moment abîmée. Mais ça fait partie du quotidien et tu ne peux pas réclamer la caution à ton voyageur parce qu'il s'est passé ça. Mais ça arrivera, c'est évident. Allez, on continue. Là ici, donc on a prévu un sèche-linge, donc là c'est pas le meilleur des endroits, je vais pas te mentir, mais on n'a pas d'autre place, donc on l'a mis ici. On a prévu la table de travail tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est important, encore une fois, les voyageurs qui restent longtemps ou les professionnels ont besoin de se mettre à un endroit pour bosser. Donc là c'était le lieu qui s'y prêtait bien, mais ça aurait pu être un autre endroit, mais prévoir la petite table de travail c'est important. Prévoir aussi bien évidemment donc de quoi repasser. Avec la table à repasser, donc la table à repasser était dans une autre des chambres, mais on a bien la table à repasser, donc ça c'est prévu aussi. Quand on rentre dans le logement, eh bien on a de quoi poser nos affaires, c'est-à-dire qu'on rentre dans le logement, effectivement on va poser notre blouson, on va peut-être poser nos chaussures, peut-être même que je vais mettre un petit meuble spécialement pour les chaussures, peut-être même pourquoi pas des petits chaussons aussi, pour que les personnes vraiment se sentent bien et leur faire comprendre qu'ici on ne rentre pas avec ses chaussures toutes dégueulasses et qu'on en fout partout et ça c'est juste pas possible. Donc là, rien à signaler. Bien entendu, toujours laisser l'aspirateur sur place pour que les voyageurs puissent d'eux-mêmes donner un petit coup s'ils ont besoin. On arrive sur la dernière pièce, mais donc avec la salle de bain. Donc la salle de bain, même si on n'y passe pas trop de temps, le fait est que c'est important. Surtout pour les femmes, c'est très important la salle de bain. Donc une salle de bain propre, bien évidemment, qui sent bon. Donc tu vois, on a mis un diffuseur d'odeur. Tu vas pas forcément le sentir, c'est évident, mais dis-toi bien qu'il faut que ça sente bon. Donc là, ça sent bon, très clairement. Le petit shampoing, le savon, ça tu le sais. Aussi les petits cotons-tiges, bien évidemment. On a prévu, et c'est super important, j'espère que c'est bien là. Si c'est pas là, voilà, si c'est là, eh bien c'est bien entendu le sèche-cheveux. Indispensable. Aussi, de plus en plus, je recommande vraiment d'avoir le sèche-serviette. Ça, c'est un vrai luxe. Aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose d'essentiel. Quoi. Donc, le petit sèche-serviette, bien évidemment. La douche, là, rien de particulier. Tu vois, ce qu'on a oublié de mettre, c'est les petits tapis au sol. Normalement, on va mettre des petits tapis ici. Donc là, c'est des choses qu'il faut qu'on rajoute. Et puis, bien entendu, la machine à laver que je recommande fortement. Tout simplement parce que ça favorise les réservations plutôt de moyenne durée, voire longue durée. Quand tu as tous ces équipements prévus, parce que là pour le coup, tu es comme à la maison. Quoi. Tout est prévu, tout est là, et voilà tout simplement. Puis le lieu, il faut qu'il soit sympa, accueillant, et je pense que c'est le cas ici, dans ce logement.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'était donc un épisode qui était consacré eh bien, à la mise en place de ta location courte durée. Quels sont les indispensables qu'il faut absolument prévoir dans ta location courte durée. On a terminé. Je t'invite à consulter eh bien, les autres vidéos que je t'ai prévues justement sur eh bien, tout ce qui est important pour faire en sorte que ta location courte durée soit un véritable succès. On a terminé, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas aussi eh bien, à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. On a terminé et si tu me suis, tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. J'ai souhaité une excellente journée et je te dis à très bientôt.